Je vous ai interrompu. Non, MJ, Miss Watson et moi discutions stratégie. Stratégie? C'est ça. La ville est en danger. Elle a besoin de notre aide. Oui, de toute notre aide. Ok, coach. Bon, c'est quoi le plan? Ok. Diviser pour mieux régner. Miss Watson, il nous faut un antisérum pour le souffle du diable. Oscorp cherche un traitement, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse le garder en sécurité contre Octavius Ellie. On doit trouver le remède et le protéger. Je vais chercher des pistes. Miles, tu seras mes yeux et mes oreilles au centre Fist. Au moindre pépin, appelle-moi. Il faut qu'on protège le refuge et tous ceux qui s'y trouvent. Ok, ça roule. Et vous, vous allez faire quoi? Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Ok, ok. Hé, attendez, comment je vous appelle? Je veux dire, vous avez un portable? Dans une poche ou enfin, je sais pas. Miss Watson va te donner mon numéro. Allez, bon courage. T'as son numéro? Quoi? T'es sa copine? Ah, c'est tellement cool, hein. Ah. Allez, Sherlock. Montre-moi un peu ta collection de bouteilles, là. Bon, on a un peu repris le contrôle de la ville. Miles surveille le Fist. MJ cherche le remède au souffle du diable. Je peux enfin me concentrer sur Otto et l'empêcher de mener son plan à exécution. Yuri, il faut qu'on s'occupe des grosses pointures. Toujours aucun signe d'Octavius? Non. La police scientifique ne peut même pas s'occuper de Times Square. À part le stagiaire, tout le monde dans le service est malade. J'ai peut-être une solution. Je vous fais signe si je trouve quelque chose. Merci, harceleur mystérieux. Tu peux m'appeler Taskmaster. Ça veut dire chef de corvée, c'est ça? Ça vous va super bien. Un groupe de mercenaires est en train de commettre des crimes à travers la ville. Non, je sais juste qu'ils touchent une belle somme pour leur travail. À moins que tu n'interviennes, bien sûr. Qu'est-ce que tu gagnes? Je profite du spectacle et j'apprends. Vous pouvez faire le point sur Vanderbilt? Alors, à en croire certains rapports, Martin Lee, en plus d'avoir acquis des compétences bizarroïdes, comme l'autre, semble avoir récemment développé un genre de double personnalité. Paliverne! Tentative éhontée d'échapper à la justice pour ses crimes! Il faudrait être idiot pour croire à ce Mister Positive qui vient en aide aux pauvres et hop, se transforme subitement en Mister Négative et qui fait sauter... Mais, une petite minute. Mister Négative, on tient quelque chose là, Jared, hein? Foncez déposer la marque! Comme je le disais, le versant maléfique de Martin Lee, que tout le monde appelle désormais Mister Négative, est l'organisateur de l'attaque à la bombe sur l'hôtel de ville. Les prisonniers au volant ouvrent le feu sur la voie publique. Besoin d'effectifs à Great Dimension. Répondez.
Vous pouvez faire le point sur Vanderbilt. Comment ça évolue vers Carnegie Hall? Tenez-nous informés de la situation dans Spanish Harlem. Terminé. Toutes les tours de cette ville sont réparées. Peut-être que la ville sera un peu plus en sécurité. C'est déjà ça. Pensez qu'on va y arriver, Yuri? Qui sait? En tout cas, je ne suis pas prête à abandonner. Moi non plus. Spider-Man, vous venez nous épauler? Je me suis dit que vous en auriez besoin. Et ça, c'est rien de le dire. Ce souffle du diable, j'ai jamais rien vu de pareil. La police scientifique a du fil à retordre. D'après les infos, c'est ici qu'Otto a diffusé le souffle du diable. Il a peut-être laissé des traces que je peux suivre. Ah, des résidus sur ce panneau. Je peux peut-être l'isoler. C'est
Séquence initiale riche en paires AT. C'est assez prometteur. CPFA modifié de Scorp. C'est le souffle du diable. Je devrais pouvoir retrouver la voie de dispersion. La piste part dans plusieurs directions. Je dois trouver la bonne. Les traces de vapeur mènent à ce bâtiment. De ce bâtiment à l'autre. La piste passe par cette ventilation. Qu'est-ce qu'Otto fichait ici? Il doit y avoir une porte ou une trappe d'accès pas loin. Eh ben bonjour l'ambiance. On doit pouvoir allumer la lumière. Lumière, soit. Waouh. C'est ici qu'Otto planifiait ses opérations. La panique de l'évasion était la couverture idéale pour s'installer ici. Otto agit par colère. L'interface neurale accentue le sentiment, mais sa frustration est profonde. Il est prêt à détruire la ville pour atteindre Norman. J'ai l'impression qu'il est impossible de lui échapper. Il sourit et donne de grandes accolades devant les caméras, mais... On dirait qu'Otto a étudié les points faibles de la technologie de sable. Oscorp s'est immiscé dans toute la ville. Électricité, communication, sécurité publique. La société de Norman est omniprésente, mais elle est fragile. Si une catastrophe devait survenir et quelques leviers être actionnés, tout s'effondrerait. La population verrait ce qu'il est vraiment, une sangsue vivant à leurs dépens. Ah oui, il suffirait de presque rien pour qu'il soit ruiné à jamais. Ce bon vieux Rhino, un de mes deux Russes préférés. On dirait qu'Otto a enregistré des messages pour ses sbires. Alexei, j'ai suivi votre carrière avec le plus grand intérêt. Le monde vous voit comme une brute épaisse. Moi, je vous considère comme un guerrier avec l'âme d'un poète. Je sais que vous aimeriez quitter la tenue de combat dont vous êtes prisonnier. Aidez-moi à atteindre mon but, et vous serez libre. Otto a développé un agent corrosif pour libérer Rhino de sa tenue. Une certaine agence gouvernementale n'y est jamais arrivée. Otto a réussi en deux jours. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Jojo le Barjo. Je n'ai pas l'habitude de dire cela, monsieur Gargan, mais effacer vos dettes de jeu s'est avéré plus compliqué que prévu. Certains de vos créditeurs sont pour le moins intransigeants. Mais...
Une fois le travail du réservoir terminé, vous serez débarrassé de vos obligations financières illicites. Otto Octavius sait se montrer persuasif. Scorpion vient en aide à Otto en échange d'une ardoise propre. Plus de dossier pénal, plus de tête de jeu. Ce bon vieux Vulture, je lui ai volé dans les plumes un sacré paquet de fois. Adrian, quelle triste ironie que vos merveilleuses ailes aient infligé à votre corps une telle infamie. Par chance, vous travaillez maintenant pour moi. Quand nous en aurons terminé, le traitement que j'ai mis au point vous sauvera. Vous n'êtes pas encore débarrassé de l'étreinte de cette vie, mon ami. La source d'énergie des ailes de Vulture a causé un cancer de la moelle épinière. Otto travaille sur un traitement expérimental pour le sauver. Electro, le plus grand des disjonctés. Max, quand vous m'avez fait part de votre rêve, j'ai d'abord cru que vous étiez complètement fou. De l'énergie pure. Cependant, en me penchant sur la question, j'ai trouvé un moyen d'atteindre nos buts respectifs. Je vous le promets, quand ce sera fini, vous deviendrez énergie pure, ou quelque chose de si proche qu'on ne fera pas la différence. Le grand rêve d'Electro est de se transformer en énergie pure. Le Doc a réussi à modifier son harnais pour le rapprocher un peu plus de son but. Qu'avons-nous là ? Otto a dû utiliser cette carte pour planifier son coup, mais elle est vierge. À moins que je rate quelque chose. Ampoule UV. Il se passe rien. Il doit y avoir un moyen d'allumer cette lampe. Voilà. Des annotations cachées. Otto a chargé les vilains de détruire les biens d'Oscorp dans toute la ville. Il veut anéantir l'Empire de Norman pièce par pièce. Yee recherche le sérum du souffle du diable, avec quelque chose appelé Icarus. Que fait Vulture à Times Square? Je ferais mieux de rester sur mes gardes. Electro est chargé des centrales électriques d'Oscorp. Logique. Rhino vise les propriétés d'Oscorp sur la côte. Par laquelle il va commencer? Et pourquoi? Scorpion doit chercher à contaminer le réservoir de la ville. Encore une propriété d'Oscorp. La dernière étape du plan semble être un assaut direct sur Oscorp. Et spécialement Norman, j'imagine. Icarus, c'est ça. Bonjour, Spider-Man. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Je suis Otto Octavius. Y a pas d'Icarus, c'est ça? Non. Martin n'a besoin d'aucune aide pour s'emparer du sérum. Icarus était un leurre pour t'amener où nous le voulions. Où vous le vouliez? Je te dépose! Ça
fait du bien de travailler pour quelqu'un comme Octavius. Il a des plans de secours pour ses plans de secours. Hé, hey, MJ! Peter? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Vite les transports! Écoute, Lee en a un prêt d'antisérum. Il faut qu'on trouve le laboratoire secret du souffle du diable avant lui! Je suis sur le coup. Je passe en revue tous les permis de construire de la ville. Si le labo est enregistré, je le trouverai. Génial! Ok, à bientôt, MJ! Il s'en est tiré. Mais pas indemne. On passe au plan B. N'est-ce pas merveilleux le travail d'équipe? Nos fiches impayables deviennent possibles. Comme tuer Spider-Man. J'en ai presque la larme à l'œil, Electro. Ça se voit que t'as grandi en prison, non? C'était tellement à côté de la plaque. Je t'aurai la prochaine fois. Une petite minute. Spider-Man, je vais te briser. Ouais, bravo. Ah, pour une fois que quelqu'un comprend mes références, j'ai presque plus envie de me battre. Je vous le dis franchement, vous préférez quand vous étiez en solo. L'énergie de la jeunesse, la sagesse de l'expérience, un duo gagnant. Un peu comme l'eau et l'huile, ouais. Jouer les rabat-joie, mais je crois pas que vous ayez bien saisi la situation en fait. Ah,
souffler un grand coup. Fatiguez l'araignée. Un au tapis, un encore debout. On l'a fait de combien de fois cette petite danse, Adrian? Une dizaine? Une vingtaine? Beaucoup trop de fois. Ce soir, ce sera ta dernière valse. Je t'aurai la prochaine fois. Pas si vite. Electro a été mis à terre. Spider-Man, je présume. Si tu tenais vraiment à cette ville comme tu le prétends, tu m'aiderais à prouver qu'Osborn n'est qu'un vulgaire criminel. En tuant des gens innocents? J'aurais rétabli le courant. Vous êtes malade, vous avez besoin d'aide. J'ai toute l'aide qu'il me faut. Et nous n'arrêterons que quand Norman aura eu ce qu'il mérite. Je déteste quand ils font équipe. J'ai besoin de souffler un peu.